Mesdames et messieurs, aujourd'hui... Non, 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 je vais pas recommencer avec « est un grand jour », hein, bien sûr. Aujourd'hui est un jour comme un autre. sauf que, c'est vrai que c'est un jour quand même assez particulier parce qu'on va faire une vidéo sur Xenoverse 2. Enfin bon, pas sur Xenoverse 2 le jeu, tu m'as compris, t'es venu un peu pour ça, pour les informations. Et oui, c'est normal, c'est très simple. Voilà, tu l'as vu dans le titre, bon... Sûrement un petit titre un peu aguicheur, bien évidemment, hein, parce que voilà, sinon je ne ferai pas mes vues. Non, je vous assure, ne quittez pas cette vidéo, on va pouvoir bien jouer avec des migras, voilà, hein, pour ceux qui se posent la question, genre des bêtes, un enculé va te faire foutre, on va pas pouvoir y jouer, si, voilà, attends, juste deux secondes, je vais faire un truc, attends, hein. C'est vrai que, ouais, voilà, hein, j'en ai un peu besoin, ah, je suis désolé, hein. Oh, je suis comme chez moi, parce que je suis chez moi, forcément. Voilà, alors, Xenoverse 2, il y a tout simplement une nouvelle mise à jour qui va arriver gratuitement, les amis, grâce au VJump qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, je tiens à vous dire premièrement qu'on n'a pas encore la date de cette fameuse mise à jour. Qu'est-ce qu'il va y avoir tout simplement dans cette mise à jour? Il va y avoir tout simplement un nouveau mode de jeu, voilà, qui va s'appeler Mon Raid. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est tout simplement, bah, vous connaissez bien évidemment le mode Raid quand vous devez combattre un boss avec 5 joueurs, donc vous et vos amis, ou des mecs en ligne, hein, on sait jamais, ou même les bots. Bref, donc là, cette fois-ci, ça va être différent. Ça va être 5 contre 1, ou 1 contre 5, comme vous voulez. Donc, en fait, le boss, vous pourrez le contrôler, les amis, dans ce mode-là. Donc, c'est-à-dire que le boss sera contrôlé par un des joueurs, tout simplement. Donc, je ne sais pas si on pourra choisir qui sera le boss, ou si vous avez d'être boss ou quoi. Enfin, bref, donc... Dans ce mode-là, vous pourrez contrôler tout simplement les boss des raids, donc les personnages qui sont tout simplement des migras, voilà. Donc vous pourrez enfin jouer avec des migras, donc bon, c'est vrai que ça va être un peu particulier cette fois-ci, mais c'est la première fois de l'histoire de Xenoverse, je pense, qu'on pourra contrôler des migras, bien évidemment, hein, à part ceux qui ont fait des mods, tout ça sur PC, voilà. Donc c'est la première fois qu'on va pouvoir contrôler des migras. Ensuite, on pourra contrôler aussi la fusion de Zamasu, bien évidemment, Mira forme finale, qu'on n'a pas pu jouer, je crois. Donc, qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans ce mode Mon Raid? Alors, c'est très simple. Le joueur, qui sera le boss, il utilisera tout simplement un objet qui sera appelé Cristal du Royaume des Démons. Donc, j'en sais pas plus sur cet objet. Je pense qu'on en saura plus dans les prochains jours à suivre. N'hésitez pas à rester actif sur la chaîne. Donc, qu'est-ce qui est très très intéressant par rapport à ce mode, les amis? C'est tout simplement l'équipe gagnante. Alors, l'équipe gagnante, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle remporte? Alors, l'équipe gagnante, tout simplement, pourra remporter une grande quantité d'expérience. Et ça, c'est très intéressant pour augmenter ses personnages, tout simplement. Des zénis, pas mal de quantité de zénis. Et la monnaie du monde de Dragon Ball ou autre accessoire exclusif à certains événements. Alors c'est ça qui est très intéressant, c'est à certains événements il y aura des accessoires exclusifs. Ça veut dire que si admettons vous ferez je pense que ça tournera comme ça, je pense que si vous louperez un événement, et ben vous ne pourrez plus jamais avoir certains accessoires. Et ça, je pense que ça va être très très intéressant et ça va peut-être donner envie aux gens de revenir sur Dragon Ball Xenoverse 2, en tout cas je l'espère, parce que bon voilà, moi je c'est vrai que des fois j'ai pas au mytho envie d'y retourner, et c'est vrai que bah, ce mode ça pourrait me tenter de revenir un peu plus sur ce jeu, donc on verra bien, en tout cas voilà, petite vidéo information, j'espère que ça vous aura plu, dites-moi vous ce que vous en pensez de ce nouveau mode, est-ce que vous, ça vous intéresse, est-ce que ça vous donne tout simplement envie de rejouer à Xenoverse 2, rien que pour ce mode, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et puis dès que j'en saurai plus, bien évidemment, vous pouvez compter sur moi, pour que je vous fasse une petite vidéo information, sur ce, je vais vous laisser, c'était BZ, et puis je vous dis à la fois prochaine, allez, ciao, bye bye, allez, salut.